premièrement, c'est quand on a appelé, il y avait comme un petit feeling. Ouais. Il n'y a pas eu de froid quand on est venu. Déjà, quand on rentre, on voit qu'il y a un local. On voit qu'il y a du matériel professionnel. On voit qu'il y a un studio de photographe. On se dit, bon, bah, on a affaire à quelque chose d'assez sérieux. On peut avoir confiance. Et après, ces premiers rendez-vous, on voit un peu pour le devis. Ensuite, on s'appelle. On discute un petit peu. Deuxième rendez-vous. On s'est dit, bon, bah, on peut faire confiance assez facilement. Moi, il y a une anecdote, c'est que comme le mariage, on a dû faire la mairie et ensuite la salle, on doit la reporter à 2021, voire 2022. Ouais. J'avais hésité au final à prendre un photographe. Je me suis dit peut-être qu'avec un téléphone, la famille va le faire. Mais quand j'ai vu le rendu des photos, je me suis dit, tu sais quoi, la prestation, je paye deux fois s'il faut. Parce que ça valait largement le coup. Puis ils ont du matériel, hein. Aussi. Les flashs et tout ce qui est sur trépied qu'ils ont ajouté, ça a fait toute la différence. On a des effets de coucher de soleil alors qu'il n'y avait pas de soleil. Quand déjà on voit ils viennent avec un espace rempli de matériel, c'est qu'on se dit bon, ils viennent pas les mains vides. Ouais, ça fait la différence. Franchement, ça fait la différence, ouais. Surprenant, au travers de l'organisation, de toutes les petites touches qu'ils ont pu apporter pour embellir notre journée. Deuxièmement, très sérieux, parce qu'on les appelait à n'importe quelle heure. Des fois à 19h, 20h, 22h, on parlait en message, on s'appelait. On dirait qu'on les dérangeait jamais. On lui demande ça, on propose ça. Il y avait toujours un retour de leur part en fait. Comme si que le mariage, c'était pas que nous, eux aussi ils prenaient un plaisir, ou qu'ils allaient prendre un plaisir en tout cas. Au niveau de l'organisation des prises de photos de famille aussi, pour avoir voilà, la famille côté marié et côté du marié, histoire qu'on se perde pas. Et franchement, ça, on a gagné du temps, énormément de temps grâce à ça. Ouais, ouais, heureusement qu'ils nous ont dit, parce que même comme ça déjà, on a un petit peu débordé, mais ça, c'était de la faute de la famille, pas de l'organisation. Même avec la crise du Covid, pour avoir confiance en eux. Parce qu'ils ont su être arrangeants et on a pu déplacer notre événement au niveau de la salle, quoi. Donc venez en toute confiance, franchement. Un travail sérieux, vraiment très professionnel, mise en confiance. Donc franchement, ça change tout sur le rendu. Donc vraiment, ouais, faut prendre Marvelous. Mélissa. Yamine. We are Marvelous.